Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voulais pas forcément vous faire un tuto pour la suite du mini-album que l'on va incorporer dans cette boîte-là. Donc, pour rappel, une boîte Mixmedia avec pas mal de récup. Sur la vidéo, je vous remettrai le petit. J'ai utilisé les derniers moules qu'on a trouvés chez Noz avec la 8PAM qui faisait des petits boutons que j'ai mis là. Et le moule avec les petites étoiles. Que j'ai trouvé chez Neuse aussi, que j'ai mis donc là, 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 là. Et ici, vous pouvez voir, ce sont des derrières de pins. Oui, voilà, vous collez, ça fait des trucs. Les micro-billes que j'ai trouvées chez Neuse aussi. Puis les petites strass que l'on trouvait à l'époque chez Action. Donc voilà, l'engrenage du dérouleur de colle. Voilà, ça vous avez vu dans la vidéo. La fourmi en plastique, tout ça, et vous voyez le PowerTex. Bon, là j'ai ouvert le PowerTex, ça durcit. Hein. Voilà, donc sur la boîte, je suis venu utiliser le bloc de chez Action parce qu'il fait assez masculin. Le Adventure is Calling, j'ai utilisé quelques pages de ce bloc là pour réaliser l'album. Donc, j'ai découpé pour décorer, j'ai fait simple, décorer le derrière de ma boîte. J'ai découpé donc un bout de papier que j'ai ancré les bords. Et à l'intérieur, j'ai réalisé un mini-album, on va dire, accordéon. Donc, je ne vous ai pas fait un tuto parce que franchement, il y en a plein. Pour celles qui ne connaissent pas, il y en a plein et c'est vraiment très simple à réaliser. Il vous faut seulement l'adapter à la grandeur de votre boîte. Alors, pour info, ma boîte, moi, mesure un peu plus de 11 cm. Exemple, vous avez une boîte. Vous mesurez votre boîte, elle fait 12 cm. J'ai enlevé 1 cm pour que ça puisse rentrer, forcément. Donc j'ai pris moi 11 cm. Elle fait 8,5. J'ai pris 11 sur 8 pour que mon mini-album rentre dedans. Et quand on l'ouvre, voilà. Ici, j'ai décoré avec pareil un papier du bloc de chez Action. Et quand on l'ouvre, c'est comme ça. Alors je vais le mettre comme ça. Là, j'ai réalisé une petite déco, mais j'ai pas fini parce qu'en fait, quand je n'ai pas mis les photos, parce que quand je mets les photos, je scrape les photos, je mets des épaisseurs. Donc là, j'ai réalisé un petit truc vite fait. J'ai mis un petit bout d'organza. J'ai fait une incision cutter pour la passer par en dessous. Et ça fait une petite boucle pour déplier son album accordéon. Donc voilà. Et c'est comme ça. Un album accordéon, c'est comme ça. Donc je vous explique, ça va être incorporé dans une grosse valise. Donc c'est pour ça que je fais plein de petits albums comme ça. Voilà. Voilà. Donc j'ai collé au fond. Donc on peut mettre 22 photos. Et comme on peut les imprimer hein, sur une imprimante, voilà, c'est plutôt des photos, ça va être des photos de plats, parce que voilà, c'était des vacances où il y avait beaucoup à manger, il y avait des belles assiettes, donc ça sera plutôt là dedans. J'ai découpé, donc j'ai fait mon truc, mon, comment dire, oh, j'ai du mal, mon album accordéon, vous voyez, j'ai laissé une tranche de 0,5 mm, parce que comme je vous dis, moi je vais coller ma photo, je vais venir coller des papiers, des embellissements. Il y aura une certaine épaisseur, donc je voulais quand même que ça ne soit pas serré. Donc c'est tout bête en fait pour réaliser un. Vous avez des tutos hein, sur YouTube, c'est tout bête. J'ai réalisé un album accordéon et je suis venue le décorer avec la collection de chez Action, qui est super jolie. Donc là, ça s'ouvre comme ça et vous pouvez en mettre dans ce sens-là. J'ai ancré tous mes papiers. Voilà. Et ça vient se déposer comme ça, et on peut tirer comme ça. Voilà. Bon, après, les albums, on ne les manipule pas tous les 5 minutes. Donc, je pense que ça tiendra. Voilà. Et c'est vrai qu'après réflexion, j'aurais pu, mais je vais en faire un autre, qui sera encore différent, avec une boîte différente. J'aurais pu le faire ouvrir comme ça. Ça aurait peut-être été plus simple. Mais je me suis dit, non, je vais en faire plusieurs, en fait. Il va y avoir plusieurs boîtes. Et donc, je l'ai ouvert comme ça. Voilà. Voilà, comment j'ai réalisé un mini-album avec une boîte de récup, boîte de chocolat. Donc vous adaptez votre album accordéon par rapport aux mesures de votre boîte. Vous allez prendre l'intérieur, voyez, pour qu'il puisse rentrer dedans. Voilà. Moi, quand je disais il fait 12,
J'ai enlevé un centimètre pour que ça puisse rentrer. Il y a un centimètre sur la largeur. Comme ça, il rentre facilement. Et si, comme moi, vous scrapez vos photos et vous mettez des embellissements, voire métal, vous faites une tranche de 0,5. C'est-à-dire que là, j'ai pris 11 cm. J'ai pris 0,5 mm pour faire ma tranche. J'ai repris 11 cm. Donc, j'ai pris sur une format A4. Et pour coller entre elles, vous pouvez, alors là, hop, une fois que vous avez fini votre A4, vous faites 11 cm et vous rajoutez 1 cm. Donc vous découpez, vous faites une languette. J'ai pas là l'exemple là. Et vous collez après. C'est très très simple à réaliser. Vous tapez album accordéon sur YouTube, vous trouvez des tutos. C'est l'album le plus simple à réaliser. Et je me dis, c'est sympa, c'est rigolo. Et j'en ferai un autre aussi parce que j'ai une boîte un peu plus grande, mais moins large. En fait, quand on l'ouvrira, ça sera l'album, il sera déplié comme ça. Ça, c'en est un parce qu'il y a plein de petits trucs comme ça. C'est une grosse, grosse valise. Et il va y avoir plein de petites boîtes comme ça parce que c'est un peu sur le thème, voilà, vous avez deviné, de l'Italie, Léonard de Vinci, tous ces trucs. Donc, c'est des petits trucs secrets, cachés, un peu bizarres. Voilà, ouais, je sais pas comment vous expliquer ça. Donc, je vais réaliser plein de petits mini-albums dans une grande boîte et décorer la boîte forcément en mix média. Et donc, voilà, je voulais vous le présenter. C'est vrai que les peintures, j'ai utilisé des peintures de chez Prima. Bon, elles sont vieilles, vous avez vu, elles étaient sèches, mais un petit peu d'eau et elles sont très pigmentées. Et puis voilà, et ça fonctionnait. Donc voilà, il fallait quand même que je vous présente. C'est une toute petite vidéo. Là, il faut encore que je. Parce qu'en fait, comme j'ai mis de la peinture, il a du mal à s'ouvrir. Donc il faut encore que je m'occupe de là. Mais j'allais pas vous le présenter dans 6 mois, sinon vous allez oublier. Donc voilà, j'ai fait un petit mini accordéon, 22 photos dans une petite boîte qui fait 12 cm sur 10. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, parce qu'on peut franchement y mettre, ouais, on peut y mettre des photos, admettons, si on veut que ça dépasse de 10 cm, on peut. 10 cm de long sur grand max, ouais, même, ouais, sur 7. On peut mettre des photos qui font 10 cm sur 7. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Pour une petite boîte de chocolat, c'est pas mal. Donc voilà, et après je viendrai les décorer. J'ai pas voulu faire un tuto là-dessus, parce qu'il y en a franchement, celles qui font les tutos albums, c'est des. Je sais pas comment elles font, je les admire parce que c'est vraiment du boulot à réaliser en vidéo, même déjà à réaliser, mais à réaliser en vidéo avec toutes les mesures et tout ça, c'est franchement chapeau, bravo les filles pour celles qui font des vidéos tuto album que j'adore regarder. Je les admire parce que franchement, elles assurent, elles assurent. Donc voilà. Voilà ma petite. Comment dire? Ma petite boîte de mon mini-album en mix média. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!